Imedis aujourd'hui est leader sur la gestion de la téléradiologie d'urgence, dite permanence des soins, partout en France. Nos choix de processus pour répondre à cette extrême urgence de la prise en charge de l'AVC en thrombolyse sont de trois ordres. Un, sur l'organisation, avec une mutualisation du temps médical sur un centre de garde unique. Deux, des outils performants pour monitorer à la minute près le temps des radiologues et leur rendu radiologique. Et trois, l'utilisation d'outils spécifiques, dont Olea Pulse, qui nous permet de travailler en toute sérénité et en toute robustesse autour du traitement de données aujourd'hui extrêmement pointues, que sont les données de perfusion cérébrale en IRM ou en scanner. Ça fait désormais 4 ans que nous avons choisi Olea pour travailler avec nous. Les deux raisons qui nous ont conduit à choisir Olea Pulse pour traiter les perfusions cérébrales de nos patients suspects d'AVC, ce sont tout d'abord la capacité d'Olea à générer des cartes paramétriques, quel que soit le constructeur, et deuxièmement, le workflow semi-automatique qui permet très rapidement, en quelques dizaines de secondes, d'obtenir les cartes paramétriques. Donc notre défi technique était bien sûr de prendre en charge le plus rapidement les urgences, notamment les urgences type AVC. Nous collaborons à l'heure actuelle avec 29 centres hospitaliers qui nous adressent donc des images de modalités différentes, avec donc bien sûr des marques et des constructeurs différents. Nous avions donc besoin d'un outil robuste, fiable et très simple d'utilisation pour pouvoir l'utiliser donc au quotidien. À Imedis, l'utilisateur envoie directement les images natives au serveur Olea qui génère les cartographies et nous les renvoie automatiquement. Elles sont donc disponibles pour l'interprétation directement sur nos serveurs. L'utilisation d'outils extrêmement performants et finalement simples comme Olea Pulse nous a permis d'upgrader l'ensemble de nos radiologues dans cette prise en charge qui est aujourd'hui, si on veut faire de l'imagerie d'urgence, indispensable.